Ouais. C'est long ta cassette Mais le morceau est bizarre. Une balle et tout, le bois sous-mixé. Tu dis si tu veux qu'on parle d'un truc plus précis, on s'égare. Non, 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 mais justement, ça nous donne votre avis sur, sur l'Europe nantaise. Ce que nous en pensez. Moi je trouve ça assez riche quoi. Il y a plein de trucs qui sont près de marché, je sais pas, mais des groupes qui font du hip, bon t'as les Ch'tos, tu vois, comme dans le créneau rock'n'roll, qui chez Closer et tout, c'est quand même sympa, tu vois, Compact et tout, Galette derrière, les compiles, t'as les Squealers qui font leur beurre, t'as les Elmer, t'as quand même des grosses formations de reggae aussi qui bastonnent, tu vois, les Jimbo et les Apartheid, c'est des trucs qui roulent, tu vois. Bon, t'as les Victor Racoin dans un autre créneau aussi, qui attention, tu vois. Ouais. Les plus beaux jours aussi dans un créneau rock variété. Dans cette arrière, c'est intéressant. Vous souvenez, bon, c'était pour distribuer. Je crois qu'on a envoyé des cassettes à des labels, comme ça, des boîtes qui distribuent. Puis eux ont répondu oui, alors bon. Voilà. C'est intéressant. Et puis des gens sérieux. Alors c'est bien parce que ça distribue. Sympa, des gens sérieux et efficaces. Ça distribue. Mais ouais, ça a été comme ça. Il y a des échos à Strasbourg, il y a des contacts. Ah ouais, pour un autre truc. Enfin, je pense que ouais, si on a un autre, il serait. Sans doute que ça les brancherait, je pense. Mais on essaierait de trouver pour. On voudrait faire un 30 le prochain. Faire au minimum 8 morceaux, 8 ou 10, quoi. Et puis là, je sais pas, on aura des trucs. Il y a une boîte qui s'appelle Justin aussi, mais. Eux ils voulaient pas, ils veulent du 30, ils veulent pas de 45, ils veulent pas de maxi, ils veulent carrément un 33 et puis en plus ils veulent écouter les bandes et tout, mais je sais pas. Bon, c'est pas en fou. Vous n'avez pas trouvé de producteur, hein. Vous trouvez des distributeurs. Non bah on cherche pas de producteur, à vrai dire. Hein. Ouais, on cherche plutôt, on fait les trucs avec en collaboration avec Chauvier, le studio de Studio Enter quoi. Ouais. On cherche plutôt les coproducteurs de cette affaire là. Une boîte signé quoi, ou une distribution quoi, mais ouais. On cherche pas vraiment un producteur pour la musique quoi. Pas pour l'instant, mais peut-être que ce serait bien, je sais pas. Si c'est pas possible, ce serait bien. Alors pour l'instant ça serait quand même trouver une boîte quoi, ouais. Une maison quoi, parce qu'au niveau produc et tout, studio, bon bah c'est quand même bien ce qu'il y a chez Eric, et puis on se plaint pas des derniers trucs qu'on a fait, alors j'ai moins compris. Mais c'est sûr que si t'as un bon producteur derrière toi en studio, c'est sympa sur la galette, tu vois. Noir Désir, leur premier truc avec Théo Acola, c'est quand même une bonne référence. On a fait des premières parties intéressantes. Ouais, on a joué à la loupe. Je sais pas si c'est très intéressant. J'en viens à faire, c'est bien pour présenter depuis 4 heures. Disons que ça, moi, c'est un peu, moi ça me donne l'impression, c'est comme quand tu dis putain, j'ai joué à Bourges. On sait bien de jouer à Bourges. Sous chapiteau et tout, mais quand tu passes dans les découvertes, les trucs comme nous, bon bah t'as combien, t'as 20 groupes tous les ans qui le font, tu vois. Alors jouer à la loco, c'est un peu pareil que comme on est passé à Bourges quoi. C'est sympa, dans les découvertes, il y a 50 groupes. Ça fait bien dans le Facebook, on a joué à la loco. Mais bon, on a joué quoi. C'est une demi-heure, on a joué, puis ils ont remis les disques et tout, ça m'a fait chier. Qui c'est qui veut du savon? Voilà quoi. Le dénommé Bingo, il a fait partie du groupe ? Non, non, c'est un copain qui nous a filé un coup de main il y a pas mal de temps, qui nous suivait comme ça. Il y a déjà Bingo, il nous cherchait de l'eau. Ah bah ouais, parce qu'il était avec nous, tu vois, il nous filait un coup de main et tout. Ah ouais, c'est marrant. Bah ouais, il nous suivait un peu, il nous filait un coup de main. Votre MV, c'est votre premier groupe, vous n'avez pas fait partie d'autres groupes hein. Ouais, non, toi peut-être. Ah, Incognito, hein. Ouais, ah bah Laurent, ouais. Puis dans d'autres trucs avant. Ah ouais, ça doit être mon troisième ou quatrième groupe. Oh, c'est un requin. Et pourquoi t'as quitté Incognito? Comment? Pourquoi tu as quitté Incognito? Parce qu'on paye plus ici. Ouais, qui couche avec sa copine. Qui couche avec nous. Non, mais bon, ça faisait longtemps qu'on se connaissait, parce que même avant de jouer avec eux, on s'est toujours connus, quoi. Et puis tu le connais. Tu nous connais, ouais, tu, nous connais. Non. Ouais, non, tu nous connais. Tu nous connais pas. Non, puis on tournait peut-être un petit peu moins. C'est pareil, il y a des groupes, il y a des hauts et des bas. Et puis bon, il y a une heure de gloire. Et puis bon. Non, voilà. Et puis il y a l'argent. L'argent, ça appelle l'argent. Bon.
m'a proposé, moi bon, bah, depuis le temps. Mais tu étais dans Incognito quand ils t'ont proposé de jouer avec eux? Ah ouais, ouais. Ah ouais, complètement. Ils m'ont débauché. Il y a un scoop. Disons que ça se jouait encore. Il y a Gudule qui est parti d'Incognito. Bon, il y a le bassiste qui était parti, mais on s'était débrouillés. Bon, c'était une autre optique, on avait plus de programmés. Il y a l'argent, ça, il n'y a pas de mystère. Hein. Non, puis j'avais envie de faire autre chose, ça faisait 4-5 ans que... Ouais, mais genre, si Incognito avait bien continué... Nous, tu sais, on en avait parlé, mais... Enfin, on pouvait chercher un mec dans un groupe qui continue à tourner, tu sais, c'était quand même... Ah bah bien sûr, si vraiment ça avait tourné... Si Incognito a éclaté, on s'est dit, bon bah tu viens, quoi. S'il y avait un disque et tout, mais... Non, mais ouais, ça se passe bien avec les autres Incognito, on s'entend bien. Enfin, eux, ils continuent, quoi. Avant qu'un Incognito... C'est comme les transferts de foot qu'on a dû leur filer de l'argent aussi. Enfin bon, ça nous ruine les affaires. Ah, il y a eu un chasseur de tête. Hein. Bah ouais. Ah ouais. Sympa. Ah les salauds. Bah c'est difficile. Ouais c'est... Non, je pense que ça s'est bien passé. C'est vrai, ça a été bien cool quand même. Ouais. Ouais. Et l'ancien clavier est parti pour quelle raison? Parce que il devait de l'argent. Des raisons familiales. On l'a crucifié, on voulait le crucifier, lui il voulait pas, il a dit bon moi ça m'embête, les mecs je vais avoir des trous dans les mains, pour bosser ça va être difficile. On préférait mettre les voiles. Voilà. Ouais, son job et tout. Non ouais, c'est plutôt le job et la vie privée quoi. Il pensait pas pouvoir assurer quoi. C'est pas évident des fois. Hein. Très exigeant. Quand tu bosses toute la semaine et puis il faut te casser, il y en a qui suivent pas, qui tiennent pas, qui disent non je pourrais pas quoi. Vous êtes obligé de travailler, vous vivez pas. Obligé, bah disons. Moi je préfère bosser le jour où on tournera sans arrêt, d'accord, t'arrêtes, mais tant que c'est pas évident, bon ben moi je continue à bosser, pourquoi pas. Ouais. Mieux c'est vrai, hein, vous. Ah oui, tout à fait, oui. On arrive pour l'instant à bien faire les deux, quoi, le boulot et la zibombe. Quand ça posera des problèmes, on prendra une décision et tout. Mais... Si on nous dit bon les mecs, faut que vous partiez 15 jours, bon ben on se cassera tous 15 jours, on arrêtera de bosser. Vous avez tous un boulot précis? Eh oui. Ouais. Ça paraît pas comme ça, mais... Yeri, je sais que tu bosses dans une imprimerie. Ouais. Autrement, le reste... Harry aussi. Weltaz. C'est compliqué, opérateur son. Au test téléphonique, tu peux dire. Bon, alors d'accord, j'avoue. Dans une ligne X. Ouais. Ah ouais, je bosse. Hotline. Ouais. Hotline, mais... Et puis Gripouillot. Et moi, je bosse dans un commerce. Quoi? Je vends des fleurs. Ouais, super. Ça c'est bien ça. Pour ça qu'on l'a pris, parce qu'il vendait des fleurs. Sinon, ouais. J'étais pédé aussi. Ouais, c'est pas vrai. Là, il ment. Scoop, là, il ment, là, tu vois, quand il dit que c'est pour vrai, il ment. C'est vrai. Il y a un autre qui ment. Ah ouais. Je ne sais pas savoir. Écrivez, on s'en fout. Mais voilà. Quoi. Parce que nous, on avait besoin, si tu veux, pour récupérer la clientèle gay, d'avoir quand même un peu d'homosexuel. C'est vrai, tu nous as ramené tous les gays. Ouais, parce que on s'est aperçu que depuis le retour de Village People, bon, qu'il y avait encore un marché. Il était dans Village People, lui, le mec avec grosse moustache. Oui, c'était l'Indien. L'Indien dans Village People. Il a travaillé chez Bonnet M aussi. Il faisait les danseuses avec le petit bonnet, avec des perles. Bonnet M, il mettait les pompons sur les bonnets. Il y a une question qui me titille là. Ah madame. Bien con, mais EV, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ça c'est une bonne question. Étrange vagin. Tiens, mais bon, ça. On m'a dit étrange vérité. Qui c'est qui a dit ça? Je sais pas, c'est une rumeur. À mon avis, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Oh oui, on a beaucoup. Il y en a des chiens. Il y en a beaucoup. Non mais ça veut rien dire. L'autre jour au Nain, c'était éjaculateur violent. Ah ouais. Alors là, ça fait des. On l'a rigolé. Bon, il y a eu un nom au départ et puis. On a supprimé les gars des initiales, on allait jouer en Finlande et tout, donc... C'est étrange vérité au départ. Ouais. C'était ça au départ. C'est imprononçable mais bon, en Finlande, n'importe où, quoi, sans qu'il dise ici. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, bon, ok, maintenant, on parle plus d'étrange vérité. Et puis tout le temps, ça revient toujours, les gens veulent quand même donner une signification, mais nous, on veut pas en parler, parce que ça porte à confusion, tu vois. Parce que ça porte à confusion, il y a des articles, très peu de temps, où c'est marqué étrange vérité en concert. Étrange vérité, c'est EV, il y a une confusion, on y voit après les gens qui cherchent à dire étrange vérité, puis non, c'est EV, tu vois. Alors pour ça, on veut plus vraiment en parler de étrange vérité. On a pris EV, plus court, plus simple, logo, c'est international, facile à prononcer, même à l'étranger et tout, tu vois, c'est boum boum.